Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Deuxième partie. Cette partie est composée de quatre exercices indépendants. Exercice 1. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. Une réponse exacte non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève aucun point. Petit 1. Dans un club sportif, les trois quarts des adhérents sont mineurs, ils ont moins de 18 ans, et le tiers des adhérents majeurs a plus de 25 ans. Affirmation, un adhérent sur 6 a donc entre 18 ans et 25 ans. Petit 2, affirmation. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30% puis de 20%, alors le prix de l'article a baissé de 50%. Petit 3, on considère une série statistique de moyenne égale à 5. On complète la série en ajoutant 5 valeurs supplémentaires. Affirmation. La moyenne de la série ne change pas. Petit 4. Affirmation. Pour obtenir le carré d'un nombre entier, il suffit de multiplier le nombre entier qui le précède par le nombre entier qui le suit et d'ajouter 1. Deuxième partie, premier exercice, 4 affirmations, vraies ou faux. Alors, dans un club sportif, les 3 quarts des adhérents sont mineurs. Si on va pouvoir faire donc un graphique. Hop, hop. Donc on sait que les trois quarts sont mineurs. Donc ici, trois quarts des adhérents sont les mineurs de moins de 18 ans. On sait qu'un tiers des adhérents majeurs, donc ici ça c'est les majeurs, donc un tiers des adhérents majeurs ont plus de 25 ans. Majeurs, plus de 25 ans. Donc on va savoir cette partie-là. Cette partie-là. Sachant qu'ici on a 3 quarts. Et ici on a 1 quart fois 1 tiers. Donc le reste, c'est 1. Donc ici. Donc des majeurs, proportion de majeurs qui ont entre 18 ans et 25 ans. Donc ici, proportion de majeurs qui ont entre 18 et 25 ans. Donc ça fait 1. Donc le reste, moins 3 quarts, plus 1 quart fois 1 tiers. Donc ici, 1 moins... donc 3 quarts plus 1 douzième, on met au même dénominateur, 1 moins, donc fois 3, 9 sur 12 plus 1 douzième, 1 moins 10 douzième, ce qui nous fait donc 2 douzièmes, on factorise, donc on simplifie par 2, et on va trouver 1 sixième. Donc un adhérent sur 6 a donc entre 18 et 25 ans, donc l'affirmation est vraie. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30% puis de 20%, alors le prix de l'article baisse de 50%. Donc soit P, le prix de l'article avant les soldes, P, le prix de l'article avant les soldes, avant les soldes. Donc ici, on va appliquer un coefficient multiplicateur de 0,7 et 0,8. Donc 1 moins 30 sur 100, donc 1 moins 0,3, 0,7. 1 moins 20 sur 100, 1 moins 0,2, 0,8. Donc ici, P, 0,7 fois 0,8 fois P est égal à 0,7 fois 0,8, c'est 0,56 fois P. Et 0,56, c'est égal à 1 moins 0,44. Donc l'article a baissé de 44% et non de 50%. Donc l'affirmation est fausse. Alors, ici, considère une statistique moyenne, donc de moyenne égale à 5. Donc série statistique de moyenne égale à 5. Donc ça veut dire, soit n, effectif total de la série statistique,
que la série stat. On va noter x1, xn les valeurs de la série. Et bien la moyenne, donc x bar, on l'appelait x bar, est égale à x1 plus 3 petits points plus xn sur n. Donc si on veut, n x bar est égal à x1 plus 3 petits points plus xn. On ajoute 5 comme valeur. Donc on va appeler x, donc x prime bar, donc la nouvelle moyenne de la série statistique. Donc si on ajoute une valeur, l'effectif total sera n plus 1. Donc on aura x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn plus 5. Or, x1 plus x2 plus xn, on avait dit que c'était, donc ici, cette moyenne est égale à 5. Donc ici, n x bar, eh bien c'est égal à 5n. Donc ici, cette somme-là, c'est 5n plus 5 divisé par n plus 1. On peut factoriser par 5. 5n plus 5 fois 1, donc ici plus 1 sur n plus 1. On peut simplifier par n plus 1 et la moyenne est de 5. Donc la moyenne de la série ne change pas, c'est vrai. Pour obtenir le carré d'un nombre entier, il suffit de multiplier le nombre entier qui le précède par le nombre entier qui le suit et d'ajouter 1. Donc soit n, un nombre entier, qu'on veut chercher donc le carré, et on va faire l'opération, donc n moins 1, nombre entier qui le précède, fois le nombre entier qui le suit, plus 1. Et si on reconnaît a moins b plus a plus b, donc ici a égale à n, b est égal à 1, donc a moins b, a plus b est égal à a carré moins b carré. Donc ici, c'est égal à n au carré moins 1 plus 1. Donc ici, n au carré. Donc ici, l'affirmation est vraie. Alors si vous voulez développer n moins 1 fois n plus 1, c'est facile. Donc c'est n au carré, donc plus n, moins n, plus 1. Donc n au carré, moins 1. Donc n au carré, moins 1, plus 1, est égal à n au carré. Donc l'affirmation est vraie. On trouve bien le carré du nombre entier.